journée laborieuse, remise à l'eau de notre joli bébé là, à Paimbœuf, chez nos amis Mazan, aux portes de l'Atlantique, là où il était, carrément, il était interne là-bas, depuis un an et demi le petit. Et puis mise à l'eau, impeccable, on avait bricolé déjà la semaine dernière. Il a fallu monter un moteur pour les répondre aux normes des courses et de la route du Rhum particulièrement. Ensuite, le programme du petit jaune, ça va être le tour de Belle-Île, si tout va bien, la semaine prochaine, dans quelques jours, qui est un grand vire-vire qui est assez génial, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Puis peut-être le tour de l'île de Sein, qui est une nouvelle épreuve, je crois, ça peut être sympa. Retour à Audierne, départ d'Audierne, où on ne va jamais. Et puis le fameux trophée des multicoques en la fin du mois d'août, le renouveau du trophée des multicoques. Juste avant ça, il y aura peut-être un rassemblement des vieux gréments, mais en tout cas des vieux multicoques, les Golden Oldies, on les appelle. Ce sera du côté de Méhaban, de l'île de Méhaban, dans le Morbihan. Et puis ensuite, ce sera évidemment la Roue du Rhum en fin d'année. Ça va être ma 8e Roue du Rhum. Avec, pour une fois, la certitude de ne pas la gagner, c'est une bonne nouvelle, on n'en est jamais sûr, mais là j'en suis certain, c'est absolument fabuleux. C'est pas le but c'est de rendre hommage à tous les marins qui nous ont précédés, qui ont dessiné, construit et navigué sur ces bateaux-là, et grâce à qui on est là aujourd'hui. C'est vrai qu'en 40 ans, on a multiplié nos vitesses par 3. J'ai traversé il y a 4 ans 7 jours et des brouettes, je crois, et là je vais retraverser comme il y a 40 ans. À l'ancienne, je vais être le seul comme ça. Alors c'est vrai qu'on sera toujours en mode comparatif avec d'autres bateaux qui peuvent ressembler à ça. La différence vraiment fondamentale, c'est que je me suis remis vraiment dans les configurations d'époque. Un peu dans la même veine, c'est le deuxième volet du diptyque, hein, un peu dans la même veine de ce que j'ai fait l'année dernière sur Penwick 2, en hommage à Éric Tabarly, à l'ancienne, sextant, régulateur d'allure, sans avoir malheureusement fini cette transat anglaise, mais... c'est ça ce qui est sympa. Et c'est vrai de renaviguer sur un petit bateau qui est vraiment un... qui est juste légendaire, c'est vrai, mais aussi qui était vraiment à échelle humaine, quoi. Ça peut... C'était pas démesuré il y a 40 ans, hein, c'est pas vrai, c'était l'un des plus petits bateaux déjà. Et c'est pour ça que la surprise a été énorme. Quand on a vu ce petit jaune dépasser le monocoque bleu de Malino, ça a été un truc assez exceptionnel.